Sud ou bien encore au Japon ou même en Chine. Donc, Vera de Rivales, bonjour. Qu'attendez-vous de votre présence à Saint-Mandé après avoir sillonné la planète? Ça, c'est une bonne question. Saint-Mandé, je n'avais pas du tout pensé à Saint-Mandé, simplement que la personne qui s'occupe de cette exposition m'a supplié de faire cette exposition, donc je n'ai pas pu le refuser et j'ai dit oui, c'est tout. Mais sinon, je voulais aussi vous dire que je suis lauréate de la Villa Médicis hors les murs, c'est-à-dire que mes recherches n'ont pas été faites à Rome, mais à New York, parce que je suis devenue sculpteur grâce à la Villa Médicis, dont le projet de recherche était de sortir la troisième dimension et volume fictif peint sur la surface plane des tableaux, de le sortir en réel 3D, en sculpture peinte, comme si c'était un tableau, et en gardant la même transparence. Donc, il y avait trois recherches, une en résine, une en métacrylate de méthyl et une en verre. Et c'est pour ça que j'ai fait mes recherches, non pas à Rome, à la Villa Médicis à Rome, mais à New York, parce que à New York, j'avais demandé d'aller à New York, parce qu'il y a une grande école de verre à New York qu'il n'y a pas à Rome. Donc, quand c'est hors les murs, hors de Rome, comme on n'est donc pas nourri logé pendant un an, le gouvernement français vous donne une somme d'argent assez conséquente pour vous nourrir et vous loger, mais on vous donne que 3 mois. Alors, ben, en 3 mois, bien sûr, il faut faire vite. Et naturellement, je n'avais pas eu le temps de faire mes 3 recherches en 3 mois. J'avais fait celle sur résine, celle en métacrylate de méthyl, et donc il me manquait celle en verre. Donc je suis rentrée à Paris, au ministère de la Culture, j'ai montré les photos de mes 2 premières recherches, et je leur ai demandé une extension de bourse pour pouvoir faire sur verre. Sauf ce qu'ils ont fait, ils m'ont donné donc une 2e bourse, je suis repartie aux États-Unis, et là ils m'ont dit « commencez à chercher des galeries ». Et bien sûr, grâce à l'attaché culturel de l'ambassade de France des États-Unis, il m'a ouvert les portes dans les plus grandes galeries des États-Unis, comme à San Francisco. Et donc voilà, donc c'était quand même très important pour moi. Et s'il ne me trompe pas, votre première exposition, c'était en France aussi, à Saint-Cloud? Oui, ça fait longtemps, oui, exact, mais bon, c'est possible que... je me rappelle plus de cela, mais si vous me le dites, oui, possible, donc... On voit dans votre biographie, vous avez suivi des cours à Paris avec des professeurs d'école, des beaux-arts. Qu'est-ce qui vous a conduit à devenir artiste? Mais j'ai toujours voulu faire quelque chose... une œuvre originale, hors du temps, hors du commun. Donc j'ai toujours essayé de vivre d'une manière intelligente, intéressante. Donc c'est comme ça que c'est venu cette technique flamande qui m'a permis de transposer en moderne et abstrait avec la technique ancienne des Flamands, de faire moderne et contemporain. Et une double nationalité, est-ce que ça veut dire aussi une double influence sur le plan artistique? Non, parce qu'au Venezuela, il n'y a pas vraiment d'influence. J'ai toute ma famille au Venezuela, ma mère est venue à Paris tout à fait par hasard, donc j'ai fait toute ma vie, pour ainsi dire, à Paris, je suis née à Paris. Et après, bon, je suis partie, bien sûr, au Venezuela pour connaître ma famille que je ne connaissais pas. Et après, naturellement, au Venezuela, j'ai beaucoup exposé et je vendais très très bien là-bas. C'est sûr que le marché était quand même plus riche qu'à Paris. Et du point de vue technique, donc vous peignez sur différents supports, toile, résine, papier. Et qu'est-ce que vous cherchez à exprimer en travaillant ces matières? Alors, pour moi, l'art doit exprimer la beauté,
dont les manifestations sont sensibles et subjectives, c'est la science du sensible et la philosophie de l'esthétique. Donc l'art n'imite plus la nature pour moi, mais celle-ci s'exprime à travers l'art. On peut identifier la beauté au plaisir de l'esprit et l'agréable au plaisir des sens. La laideur s'identifie à la douleur. Pour échapper à l'histoire qui chaque jour nous rattrape de sa horde d'événements sauvages et sanglants, j'ai orienté mes recherches vers une œuvre où l'on peut ressentir une certaine harmonie. Elle ne repose sur aucun concept qui puisse expliquer, décrire ou communiquer un moyen de production factuel. Au contraire, la thématique conceptuelle de l'œuvre suggère le plaisir communicatif d'une réflexion originale. Mes recherches sont basées sur la couleur, la transparence, la lumière et l'espace. En adoptant la technique ancienne des Flamands, j'ai obtenu mon propre langage par des effets optiques de rythme dans l'espace. Je donne corps aux couleurs et celles-ci communiquent à la forme une plénitude, une résonance génératrice d'énergie afin de procurer une action positive. Les formes suggèrent la vision d'un monde inconnu, virtuel, saisi en l'instant d'un voyage hors du temps à travers un espace indéfini. Donc, mon travail comprend quatre parties, les huiles sur toile, donc avec les effets de volume, les huiles sur papier, les sculptures peintes en relief sur toile, le volume qui commence donc à sortir du tableau, et les sculptures seules qui sont donc en métacrylate de métier. Donc il y a les quatre phases en fait dans mon travail. Est-ce qu'on peut qualifier votre production actuelle d'abstraite? Tout à fait, oui, absolument. Oui. Entre vos premières œuvres et aujourd'hui, comment s'est faite votre évolution et quelles ont été et quels sont encore vos inspirateurs? Inspirateurs, il n'y en a plus beaucoup parce que j'en ai fait bien le tour. Donc il n'y a plus beaucoup maintenant d'autres possibilités de voir qu'est-ce qui pourrait me donner d'autres idées. Donc là, il faut vraiment chercher par soi-même autre chose si j'avais évolué encore. Mais là, je pense que j'ai vraiment fait le tour de toutes les recherches possibles avec l'art contemporain, l'art abstrait. Et sinon, vous avez obtenu plusieurs distinctions. Le prix spécial du jury à la compétition de la main d'or à l'Académie de peinture de Paris, oui. Lauréate de la Villa Médicis, diplôme d'honneur du Grand Prix international d'art contemporain de la Principauté de Monaco, et un prix, c'est important pour vous? Ben, c'est-à-dire qu'un prix, ça prouve que quand même il y a un certain intérêt sur mes recherches, sur mon travail, donc ça c'est quand même une chose importante. Et puis, donc comme c'est cosmique voyage, donc on peut imaginer ce que l'on veut, on peut s'échapper donc un peu du quotidien, c'est quand même, c'est une invitation dans un voyage, dans un autre monde. Et pour vous connaître un peu mieux, vous avez d'autres inspirations, n'ose pas dire d'autres passions que la peinture? Non, j'ai pas. Au point de vue, vous voulez dire culturel? Oui. Non, je vois. Enfin, la sculpture, la peinture. Non, pour l'instant, j'ai pas d'autres inspirations. Qu'est-ce que vous entendez par d'autres inspirations? Donnez-moi un exemple. Bon. Peut-être qu'il entendait par inspiration, c'était peut-être. Quels sont un peu les artistes qui vous ont influencé, qui vous ont orienté vers... Il n'y a aucun artiste m'a influencé. Mais vous êtes bien inspiré, il y a bien des artistes qui vous ont marqué, même si vous avez développé votre propre concept, vos œuvres, il y a bien des peintres pour qui vous aviez une forme d'admiration, je ne sais pas, est-ce que...
Parce que si on prend un musicien a toujours une influence musicale, après il développe sa propre technique, sa propre forme d'expression. Vous, est-ce qu'il y a eu des peintres qui vous ont inspiré? C'est-à-dire, sans pour ça vous prendre comme modèle, oui. Mais par exemple, est-ce que vous étiez passionné, je sais pas, de la Croix, de Monet, de... Est-ce que tous ces... Oui, ben, tous ces artistes-là, ils m'ont intéressé, Monet, Rubens, Manet, tout ça. Bon, ce sont tous... Je me suis, bien sûr, j'ai été éduquée pour connaître aussi tous les noms de ces autres peintres et savoir qu'est-ce qu'ils faisaient et tout ça. Donc justement, j'ai voulu sortir de tout cela et faire quelque chose de vraiment original et hors du temps, hors du commun. Alors justement, comment avez-vous réussi à trouver votre chemin? Parce que en plus, vous êtes une femme, donc une femme dans la peinture, on peut entre guillemets considérer que c'est un milieu assez masculin. Est-ce que vous avez eu, vous, l'impression que vous avez eu des difficultés à vous exprimer en tant pas que... Du pas du tout, non? Non, absolument non. Pas. Est-ce que justement ça vous a donné un plus peut-être? Tout à fait. Oui. Et alors comment vous pourriez l'exprimer, ce plus en tant que femme? C'est-à-dire quoi? C'était... Vous aviez peut-être une sensibilité qui est différente, plus ouverte peut-être, moins de préjugés? Mais c'est-à-dire que j'ai travaillé dans mon cerveau pour essayer d'imaginer quelque chose hors du temps, hors du commun. Donc c'était ça pour moi, parce que je n'allais pas copier et refaire les mêmes choses que tout le monde fait. Donc il fallait bien trouver quelque chose d'original. Donc trouver quelque chose. Et puis la vie quand même n'est pas facile. Donc là, comme c'est une invitation dans justement un cosmique voyage, donc c'est moins triste que le monde où nous vivons. Quand vous commencez votre œuvre, comment vous l'abordez cette œuvre? Est-ce que vous avez une technique? Est-ce que vous avez un rituel? Est-ce que vous... Ou alors, non, c'est, ou à la, chaque fois, c'est la main qui, si vous voulez, donne la pulsion. Voilà, c'est ça, et après l'imagination. Et alors, vous êtes droitière, vous êtes gauchère? Droitière. Oui. Et alors justement, cette inspiration, lorsqu'elle vient, est-ce que des fois il y a des interdits? Est-ce que des fois vous interdisez quelque chose? Non. Ou pas du tout? Non. Pas du tout, non, non. Non, je cherche de faire quelque chose d'harmonieux. Avec lesquelles je travaillais
lauréate de la Villa Médicis hors les murs, c'est-à-dire que mes recherches n'ont pas été faites à Rome, mais à New York, parce que je suis devenue sculpteur grâce à la Villa Médicis, dont le projet de recherche était de sortir la troisième dimension des volumes fictifs peints sur la surface plane des tableaux, de le sortir en réel 3D. En sculpture peinte, comme si c'était un tableau, et en gardant la même transparence. Donc, il y avait trois recherches, une en